Alors ce soir, on accueille Tiffen du domaine Saint-Domary sur le Pic Saint-Loup. Je suis en licence pro à Supagro en alternance. Puis j'ai rencontré Julien pendant ma scolarité en BTS. Voilà, donc depuis septembre, je suis en alternance au domaine. Je m'occupe un petit peu de la partie commerciale des vins et du domaine. C'est le domaine donc, de Julien Chapelle, vigneron depuis 1999. Ça a été le plus jeune vigneron à faire son vin, vu qu'il avait 19 ans. Donc c'est un petit domaine de 20 hectares à peu près, au cœur du Pic Saint-Loup. On est vraiment sur la commune la plus proche du Pic Saint-Loup, de l'appellation. Donc on est en conversion bio pour le moment, en attendant d'avoir le label. Et donc ce soir, tu nous présentes deux cuvées. Voilà, donc la troisième mi-temps de 2010. Donc c'est un assemblage de 50% de Syrah, 25 Grenache, 25 Carignan. Et donc avec un élevage en barrique juste pour les Syrah pendant 12 mois. Donc ça, c'est un vin très sur la gourmandise avec des arômes de garrigue, de cassis. On peut éventuellement accompagner avec des plats méditerranéens, toutes ces petites choses-là, et puis des grillades. Et donc le second vin, donc, c'est l'Asphodel 2010 aussi. Donc là, on est sur un 70% de Syrah, 10 Grenache, 10 Carignan, 10 Mourvèdre. Donc là, on a 24 mois d'élevage en barrique, donc on est vraiment sur un vin très puissant comme quand même faire Julien. Avec beaucoup de tanins très fondus, très bons. Des vins masculins quoi. Voilà, des vins masculins qu'on peut aussi accompagner avec de belles pièces de viande. Voilà, vous pouvez déguster tout le long de l'année les vins de Julien du domaine Saint-Domary, donc chez Trinque Fougas au nord et chez Trinque Fougas au sud. Merci Tiffen. De rien. Bonne soirée. Mais toi aussi.